Bonjour, élève musicien. Habituellement, lorsque je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est pour te donner un cours d'harmonica ou de piano. Exceptionnellement, une fois n'est pas coutume, nous allons parler informatique. Si, comme la plupart de mes élèves, tu n'es pas habitué à utiliser les outils informatiques, que pour toi, c'est plutôt du charabia, que tu as souvent des problèmes dès que tu dois utiliser ton ordinateur, que tu te retrouves au final complètement largué, que tu préfères, comme l'a déjà fait une de mes élèves, envoyer un courrier par la poste avec éventuellement des photos que tu as prises avec ton appareil argentique, parce que pour toi c'est déjà trop difficile d'envoyer un email avec une pièce jointe, si tu te retrouves complètement perdu dans toutes ces applications, YouTube, Facebook, les sites internet, etc., que tu ne sais pas comment il faut faire pour cliquer sur le pouce en l'air lorsque tu aimes une vidéo sur YouTube et que tu veux la commenter, eh bien je te conseille vivement de te créer un compte de messagerie Gmail. Gmail, c'est un compte de messagerie créé par Google, qui est aussi propriétaire de YouTube. Ainsi, quand tu te connectes à ton compte Gmail, tu peux facilement aller sur YouTube, cliquer sur le pouce en l'air, commenter et partager les vidéos, bref, faire partie de la communauté des abonnés qui échangent les uns avec les autres et avec leurs professeurs. De plus, le compte Gmail est entièrement gratuit et il n'est pas hébergé sur ton ordinateur. Il ne prend pas de place sur ton disque dur. Tu peux consulter ta messagerie même quand tu n'es pas chez toi, même quand tu n'utilises pas ton ordinateur habituel, ta tablette ou ton smartphone. Ok, tu vas me dire, bah c'est bien joli tout ça, mais je suis déjà largué avec les autres applications, les logiciels, tu m'en rajoutes encore là. Eh bien, pas de panique, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Je viens de découvrir une formation qui s'appelle « Maîtriser Gmail ». Elle est assurée par un super formateur qui s'appelle Bill Le Geek. Dans sa formation « Maîtriser Gmail », Bill Le Geek reprend les choses au départ, à la base. Il part du zéro absolu et il t'explique les choses pas à pas. C'est vraiment de très bonnes explications. J'ai vu sa formation en intégralité. Je peux t'assurer que tu peux vraiment partir du zéro absolu et apprendre à utiliser tous les outils de ta messagerie Gmail. Il explique vraiment bien, il prend le temps d'expliquer les choses. Et alors, ce que je te conseille de faire pour bien suivre sa formation, c'est de ne pas regarder ses vidéos comme une série télé, mais de regarder une vidéo, d'être très attentif à ce qu'il t'explique, de mettre la vidéo en pause, de refaire exactement la même chose sur ton propre compte de messagerie Gmail, et de relancer la vidéo. Et tu vas voir, tu vas apprendre les choses petit à petit. Voilà, je te souhaite une excellente formation sur Gmail et je te dis à très bientôt pour un prochain cours de musique.